fianget. Fahi pai atira sua tira umane. Tiwe nene narerere tiri anda fianget. Art de la coiffure, création esthétique, fruit de la coquetterie, peut se retrouver dans un sexe comme dans l'autre, et ça a pour but de séduire et de conquérir. Et on peut dire que la coiffure fait partie des critères par lesquels les hommes utilisent pour choisir leur future épouse. Ce qui fait que les Malagas y accordent une si grande importance. Donc il y a une différente sorte de coiffure dans toute l'île de Madagascar selon la région, et cette coiffure-là est toujours basée sur la tresse. En fait, la tresse, ça c'est pas seulement dans le but de se faire belle, mais bien également, il s'agit de bien plus que cela, puisque ça représente son origine, son âge et surtout sa classe sociale. Pourtant, tresser, c'est un art, c'est un talent, et ce n'est pas donné à tout le monde de tresser des cheveux, d'autant plus que ça ne se défasse pas facilement. Il faut être rigoureux, sans faire mal à la personne à coiffer, mais surtout de bien choisir la forme de tresse qui est adaptée le mieux possible à la forme du visage de la personne. Fondatrice de l'association Sua Kantu et le groupe musical Tiare, Talkijele avec ses sœurs ont pour but de porter haut la culture de Madagascar dans les quatre coins du monde. Cela va se faire à travers la musique, la tenue vestimentaire et aussi la coiffure. Aujourd'hui, dans cette grande exposition de Saïr, elle est ici, donc je ne vais pas manquer cette opportunité de pouvoir la retrouver pour parler de la coiffure traditionnelle de Madagascar et surtout de se faire tresser par cette grande figure et ambassadrice de la musique malagasse. Donc petit zoom sur Canal Austral sur cette coiffure traditionnelle malagasse. Je vous invite à me rejoindre tout de suite. La coiffure et les tenues traditionnelles confèrent une beauté unique aux femmes malagasses. Dans la culture d'ici, cette coiffure qui est différente dans toutes les régions de l'île a sa place, surtout s'il s'agit de la coiffure féminine. Cela constitue une parure que relèvent les formes du visage par ses modelages, bien que traditionnellement, on se contentait tout simplement de porter un limbe, un chapeau, des bijoux de toutes sortes et de la fantaisie. Les tresses sont toujours pratiques. Les dames économisent leur temps car les cheveux ne nécessitent pas d'entretien particulier une fois tressés. De nos jours, même celles et ceux qui n'ont pas les cheveux longs peuvent se faire tresser en achetant des rajouts ou des postiches. À part le riz, on peut dire même que la tresse unit les femmes malagasses, qui est par la suite un moyen de transmettre un message sur l'âge, sur la situation matrimoniale et sur les différents événements dans la vie. Aujourd'hui, Talki du groupe Ti arrive à tresser mes cheveux de style intindui comme les femmes habitant de la pointe sud de l'île, là où le soleil est brûlant, ce qui fait que les femmes de ce groupe ethnique ont tendance à tresser leurs cheveux en doukoudouk. Ensemble, on va regarder comment elle les fait. En premier lieu, on divise les cheveux en deux à l'aide d'un fioritze. Puis là, on divise de nouveau pour former les petits chignons ou les boucles qu'on appelle localement le tukuduku. Au total, on devrait avoir 8 chignons, dont on va laisser les deux juste après sur les côtés.
Donc là, c'est un style de coiffure très ordinaire et familier chez les Antanjoui. Les cheveux étant au sommet du corps humain, la tresse ou le tal ou le ranjana pour les Malagas sont une coiffure consistant à entrelacer de nombreuses mèches et cela reflète l'union, la fraternité et la cohésion, d'où le fiavanana Malagas. Une longue chevelure symbolise la beauté. D'après les recherches, chaque fouque ou chaque groupe ethnique a sa propre manière de tresser. Il existe des coiffures spécifiques pour les jours ordinaires et pour les jours de fête, comme pour des rites royaux ou encore de mariage et aussi pour un deuil. Outre l'avantage pratique des nattes et des tresses, le tressage favorise la repousse des cheveux, bien que le façonnage peut durer parfois une demi-journée. C'est ainsi lorsque les cheveux sont longs et les tresses sont minces, ce qu'on appelle localement les cheveux rasta. Bref, il existait plusieurs sortes de coiffures pour reconnaître les différentes tranches d'âge dans la société, celles que l'on portait durant les réjouissances ou pour les deuils, différents de ceux que l'on portait d'ordinaire. Relatant au style de coiffure traditionnel, il y a quelques croyances anciennes autour des tresses. Ici, on parle de fadi. Par exemple, il ne fallait pas se tresser les cheveux la nuit sous peine de mourir avant l'âge. Ou encore, se couper les cheveux le jour de son anniversaire, ça rendait maladif. Et aussi, couper les cheveux d'un malade raccourcissait ses jours. On dirait également qu'on ne devait pas remercier la femme qui vous a fait coiffer sous peine de devenir chauve. Il ne faut pas également compter les tresses d'une personne, ça risquait de la rendre chauve. Le style dans l'art de se coiffer est en principe transmis de génération en génération pour chaque groupe ethnique, quelle que soit la qualité des cheveux avec leur variété et leur caractère spécifique, soit lisse, droit et fin ou encore ondulé, bien encore crépus ou court ou long. En général, les Malagas ont l'habitude de tresser leurs cheveux. Et voilà, ma coiffure de style Antanjoui est joliment faite. Je remercie vivement Tal Kejele, l'ambassadrice musicale de Madagascar, mais qui garde toujours cette culture malagasse. Là, je représente les femmes Antanjoui, les femmes qui vivent dans la pointe sud de l'île, dans la région Anjou, donc c'est un groupe ethnique de Madagascar. Quand vous voyagez donc ici, vous allez remarquer tout de suite que le style de coiffure est différent d'une région à une autre. Coiffer en traditionnel, ça c'est un signal et un grand amour pour la culture. Un petit message pour mes amis compatriotes, soyons toujours fiers de ce que nous sommes et toujours montrer au reste du monde ce que nous sommes réellement. J'espère bien que vous serez toujours en notre compagnie puisque dès la semaine prochaine, je vais vous préparer, concocter un nouveau thème très intéressant. Bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Je vous dis à très bientôt. Véloumé! Oh, my heart.